qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Valérie? Oh my God! OK! Moins qu'avant, mais ça lève encore. Sans terrain connu, mon ancien arrêt d'autobus de Sidley. J'attends l'autobus, je m'en vais au centre-ville pour aller remplir ma bonbonne. L'autobus est arrivé entre-temps. Fait que je m'en vais à Berwick-Camp, puis là, je vais prendre le métro pour aller au centre-ville remplir ma bonbonne de SodaStream. Après ça, je retourne chez nous. Puis après, je vais au cinéma avec PL, finalement. Fait que je vais travailler plus tard. Bon matin YouTube! Je continue le vlog que j'ai abandonné hier. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que quand je suis revenue du cinéma, ben j'avais juste le goût de m'écraser là. C'est comme vraiment un come down finalement. Quand on fait une grosse affaire comme le Oh My Fest, là, on donne tellement d'énergie qu'on est comme après là, je voyais d'autres YouTubers là, discuter sur Facebook qui disaient qu'ils étaient complètement dead, eux autres aussi. Heureux mais fatigués. Fait que ça m'a fait du bien, je me suis reposée hier. Là, je suis prête pour ma journée. Dans le fond, j'attends l'épicerie pour commencer. J'ai fait une commande en ligne hier. Puis après, je fais des petites choses à la maison. Pour vrai, là, j'ai pas mis un gros planning. Je voulais prendre une journée off aujourd'hui. Fait que j'ai pas planifié d'appel client. Je travaille pas, à part vlogger puis peut-être faire un peu de montage, mais ça, c'est correct. Là. Puis je vais sortir chercher des colis aussi. Je sais pas c'est quoi. J'ai un colis au comptoir FedEx puis un colis au bureau de poste. On verra bien. Là, j'attends, je me suis fait des petites gaufres qui sont dans le toaster. J'ai mangé deux gaufres avec des cerises, puis un peu de beurre d'arachide dessus. Voilà! Oh, il est rendu quelle heure, là? Il est 12h39. J'ai reçu l'épicerie, là, une demi-heure, puis je ne l'ai pas rangé. Oups! J'espère que je n'ai pas les sous gelés trop. Fait que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ici, j'ai le pain intégral au levain de première moisson pour faire des petites tartines. J'ai acheté de la bouffe à chat, je vais mettre ça à côté, ça ne vous intéresse pas. Oh! J'ai eu un cadeau, des épices de Beefsteak de Montréal, avec achat. Cool, merci. Bon, tu sais, j'en ai eu deux, ça devait être par tranche d'achat. J'ai aussi eu poulet de Montréal. J'ai acheté plein de soupes pour mes lunchs, les gastronomies du jour de Camba. J'aime ça manger de la soupe le midi. J'ai pris poivron doux, grillé et tomate, puis... ça, c'est pommes de terre rôties et poireaux. Le troisième, c'est champignons et vin blanc. Ça, j'aime ça avec une assiette de crudité ou une petite salade. J'ai deux bananes. J'ai acheté du vinaigre, pas vraiment pour cuisiner, mais en fait, il faut que je nettoie ma laveuse. Puis avec du vinaigre blanc, ça marche bien. Pour enlever l'espèce d'odeur de moisissure qui s'accumule. Front-loading, là, quand tu peux rentrer des choses par en avant, là, on dirait que ça finit toujours par sentir un petit peu renfermé. Là, fait que je prends l'habitude de la laver aux deux mois environ, là, faire un cycle sans savon, ça aide premièrement. Puis après, avec du vinaigre blanc et de l'eau, un mélange à part égale. J'ai du Coke Zero et des Perrier pamplemousse. J'ai plus de sirop de pamplemousse pour mon SodaStream, fait que je me suis acheté des Perrier. Ah oui, j'avais le goût de manger ça, les libertés grecques avec des fruits et des graines, comme ça, c'est full bon ça. Puis ça fait un bon déjeuner à 180 calories. J'ai des ficello, moitié-moitié, genre marbré, zébré, pour les collations. Un brocoli géant. Miam, j'adore le brocoli. J'ai des cœurs de laitue romaine. Ah, c'est pas la marque que j'avais pris. Mais c'est pas grave. C'est du québécois? Yeah! Produit du Québec! Tant que ça vient du Québec, je suis contente. C'est fou. Avez-vous remarqué le nombre de fruits et légumes qui poussent au Québec puis qui sont pas distribués dans les épiceries, là? Tu vas à l'épicerie des fois puis il y a juste des produits des États-Unis. Je comprends pas. J'ai des haricots verts. On va faire une salade d'haricots. Du lait. J'ai pris le pur filtre 2% de Lactantia. Du jambon, ça c'est la marque biologique du Breton, jambon cuit. J'ai eu des coupons pour ça d'ailleurs, mais je suis pas allée à l'épicerie parce que j'ai pas pu m'en servir. C'est la compagnie qui m'a envoyé les kombucha qui m'a aussi envoyé des coupons pour les produits du Breton. J'ai des petites tomates cerises cerizo, grâce aussi. Comment ça, pourquoi ils me donnent? Je comprends pas.
C'est marqué gracieuseté de métro en ligne, mais je les avais mis dans mon sac. Je ne comprends pas. Métro, expliquez-moi. Je sais qu'ils regardent mes vidéos. L'autre fois, j'avais des commentaires. Allô, métro? Pas de chouchou, hein? Je vais aussi chez Provigo, chez IGA, partout. Oui, j'ai pris deux poitrines de poulet de grain Naturalia. Je vais faire la recette dont je vous parlais l'autre fois, là, d'espèce de BLT, non pas un BLT, une espèce de club sandwich brochette. Et c'est pour ça que j'ai acheté du bacon. Et un poivron et un citron. Puis c'est tout pour les fruits. En fait, c'est pas vrai, j'ai aussi acheté de la litière, mais je vais la laisser là. Là, je vais ranger tout ça, puis je sais pas ce que je fais après, là. Je sais pas. Je pensais vraiment relax aujourd'hui. Je m'étais dit que je prenais une journée de congé, mais j'ai des clients qui le savent pas, fait qu'ils m'ont écrit pareil, fait qu'il faut que je leur réponde. Mais je m'étais arrangée au moins pour pas avoir de nouvelles demandes de clients, ceux qui m'ont demandé des rendez-vous téléphoniques, tout ça. Ça va être demain. Fait que je range tout ça. Je vais me faire à dîner aussi. Je pense que je vais me faire une sandwich au jambon ou une salade ou je sais pas. On va regarder ça. C'est ça la petite viande que j'ai essayée. Vous faites ça, vous autres, la petite viande pour dire des viandes froides, on disait ça par chez nous. Puis j'aime ça parce qu'il n'y a pas de nitrite. Puis je ne connaissais pas cette marque-là avant qu'ils m'écrivent. Ça, je l'ai acheté, je voulais l'essayer. J'aime ça parce qu'il y a des petits papiers en chaque tranche, là, fait que ça n'est pas un espèce de bloc mouillé dégueulasse, là. C'est vraiment répugnant de la viande froide quand il y a comme juste une masse de tranches qui font du jus de je sais pas quoi. Il y a de quoi devenir végé. Fait que je me suis fait une petite sandwich, une mini sandwich au jambon avec plein de petits concombres bien frais. Je suis de retour dans la cuisine déjà, mais il est comme rendu 3 heures, je pense. Il est presque 3 heures moins 5. J'attends la grosse conférence de Trump. Drama! Tantôt, il y avait le congrès qui parlait, puis il y a du monde qui sont rentrés en criant « Kill the bill! Don't kill us! » Puis il criait « Shame! » comme la madame dans Game of Thrones. Je suis en train d'ouvrir un colis. J'ai reçu une méga boîte. Des viandes biologiques de Charlevoix, c'est malade, je suis tellement chanceuse. Ils m'avaient écrit pour savoir si je voulais recevoir des produits, puis c'est sûr que j'ai dit oui. Avec de la bonne viande de chez nous. Je vais vous ouvrir ça, je vais vous montrer tous les produits. Oh boy, hey, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oh wow, oh, regardez, tout ça. Wow, ok. Charge un congélateur. La première chose, c'est la sauce à spaghetti au poulet des viandes biologiques de Charlevoix. C'est une sauce style maison, là. Les ingrédients, c'est juste, genre, tomate, poulet, sel de mer, sucre de canne, oignon, poivre, ail, paprika, piment de cayenne, épices. Et ça, c'est un bon dépanneur, là. Je sais pas s'il faut que je le garde au frigo tout le temps. Peut-être juste après ouverture. Mais je vais garder au frigo au cas. Hein, je suis trop excitée. Ça, c'est des saucisses de poulet pré-cuites. Ça, c'est bon, là. Juste sauter avec des légumes ou juste entière avec de la purée puis une salade. J'ai reçu du jambon blanc, comme ça, pour les sandwichs. Alors ça, je n'avais pas acheté. Là, il y a plein de charcuteries, là. Ça, c'est son sec de porc au chorizo piquant. J'ai plein de saucisses, là. Saucisson sec de porc. Hey, je pensais pas qu'il y avait autant de variétés dans cette compagnie-là. Saucisson sec de porc, noisette et muscade. Hey, ça à l'apéro, là, c'est sûr que c'est bon. Tu fais des petites tranches fines, tu mets des craquelins, un bon fromage, des fruits, tu sais, genre un bol de fraises, une poire coupée en quartier. Full bon. Ça, c'est quoi? J'utilise ça, saucisson sec de porc nature. Un autre saucisson. Wow, ça se garde longtemps, mais ça se fait une chance. Oh my god, ils m'ont tout envoyé, sérieux. C'est bien trop, vous êtes bien trop fin. Jambon séché. Chance que je m'en vais pas en vacances. Hein. ça, c'est bacon fumé. Moses, j'en ai acheté en plus. Avoir su. Mais je vais prendre lui en premier, je vais congeler l'autre. Puis jambonneau fumé, du petit jambonneau. Ça, c'est bon dans une salade, en petit rouleau. Là. Tu fais des petits rouleaux de jambon avec un œuf. Puis. Dans ta salade, c'est full bon. Qu'est-ce que c'est? Oh, du boudin de porc! Ça, je suis pas certaine! Je sais pas. Mais j'aime ça, du boudin, quand même. Mais je n'en ai jamais fait moi-même. Ça a l'air de ça. Mangez-vous ça, vous autres, du boudin? Aimez-vous ça? Ah, ben, il y a toutes les sortes, hein? Il y en a un, pomme, noisette, sirop d'érable. Ah, je pense que j'aimerais mieux ça avec des petits arômes dedans.
Puis un autre. Ah, ça, c'est de la tête fromagée, ça, c'est bon, là. Hey, j'ai des beaux pique-niques en vue avec ça, là. Croton de poulet, yes, pour les sandwichs, c'est bon, ça. Puis ils ont l'air bons, là. Ils ont l'air vraiment frais. De la rillette de porc. Ça, c'est un pâté de campagne avec camberge et sirop d'érable. Je vais vous le montrer de proche. Je sais pas si vous pouvez voir, mais au fond, il y a comme une couleur différente. Ça doit être la camberge et le sirop. Vous voyez la différence de couleur en haut, en bas? Je pense qu'il y a un saucisson. Ouais, c'est ça. Un saucisson sec de porc au fromage bleu qui reste dans le fond de la boîte, en dessous des rillettes. Ça, c'est cartonnable. Ça, c'est un croton de porc. Je suis sûre que je viens de vous montrer. J'ai-tu deux crotons? Ouais, poulet porc. Hii! Il reste deux choses. Un pâté de foie en pot et un pâté de campagne moré et noisette. Oulala! Wow! Hey, je suis vraiment impressionnée par tous les produits. Merci beaucoup, 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 beaucoup aux viandes de Charlevoix. C'est tellement trop généreux, là. C'est trop, là. Puis, ben, ça me donnait une belle raison d'inviter des amis à souper. Non, mais ça tombe bien, justement, ça. J'avais besoin de quelque chose pour ranger des verres. Yes! Avec le petit séparateur, là. Full pratique. Bon, fait que j'ai rangé tout ça. Puis je vais aller voir si Donald Trump a commencé à nous annoncer la fin du monde. Du moins, la fin de Obamacare. Do you care? Je care un peu, quand même. J'ai pas mal d'amis aux États-Unis. Puis c'est vraiment... C'est compliqué, la politique américaine, hein? Mais avec un gars comme ça à la tête... Je regarde par là parce que la TV, là, je le vois à l'eau. Puis avec un gars comme ça à la tête du pays, là, on dirait que 6 mois plus tard, on s'en sert toujours pas, hein? En tout cas, c'est l'anarchie! C'est ça, j'ai rangé tout ça, puis on s'en parle plus tard. Je voulais vous montrer la tranche de saucisson à la noisette. Il est trop bon, là. Je m'en suis coupé 3-4 tranches. Il est délicieux. Vlog update! Je suis pas en train de cuisiner, j'étais en train d'aller au IKEA! Il faisait tellement beau qu'on s'est dit qu'on irait dans un magasin. Puis elle est venue me chercher, il est là-bas, pour aller chercher ses sacs. Puis on va aller, c'est ça, on va l'échapper un peu, puis on va retourner chez nous pour souper. Je vais cuisiner après le shopping. Je voudrais me racheter d'autres des étagères pour mettre dans la cuisine. Ben, pas dans la cuisine, mais dans la petite pièce qui est à côté, ranger des choses de cuisine, puis peut-être un miroir. As-tu tes sacs? Ouh! Ouh! Sac. La dernière mode, Balenciaga! Bienvenue dans la forêt du IKEA. La jungle de la déco. Bon, celles-là sont pas vraies. J'aime ça, ça ici. Mais c'est ça que je veux éventuellement pour mettre dans mon bureau. Celui-là, là. Presque un palmier. On a fait quelques achats. Laisse un commentaire si toi aussi t'es tanné de monter des meubles pendant le mois de juillet, le mois du déménagement. Hein, c'est les tables à David Dobrik. Bye-bye. C'est un peu con, j'avais trouvé des full beaux petits paniers gris en feutre pour ranger des choses dans la salle de bain, mais j'ai pris les démos. Fait que j'ai tout besoin de revenir en cette plate. Mais j'ai quand même fait des beaux achats, mais là, on va avoir toute une job de monter des miroirs chez PL puis chez nous. Là. Ouais. Tout ça, on a acheté le même miroir. Puis le même, le même plateau. Mais je vais vous montrer ça tantôt. Miroir drama, ça rentrait pas dans le char, fait qu'on va les rapporter ici. Fait que apéro time, on essaye le pâté de campagne morée et noisette et les rillettes de porc. Puis c'est assez taste. Petit saucisson, that's it. Bon, j'ai fait une petite salade finalement, j'ai laissé faire la grande recette. Parce que il y avait de marinade dedans. Bonjour, bienvenue au show, c'est ma main qui parle et pas ma face. Bon appétit. Bonsoir, on finit au lit ensemble. Après ma longue soirée, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez IKEA. Et non, ce n'est pas un miroir! Oh my god, l'aventure du miroir, là. On essayait de mettre plein de choses dans la voiture à PL. On avait chacun le grand miroir, là, géant. Puis ça rentrait, mais le coffre ne fermait pas. Puis j'aurais pas été capable de m'asseoir dedans. Fait qu'on est retourné, on a retourné les deux miroirs. Mais j'ai acheté d'autres choses. J'ai acheté une autre étagère, pareil comme celle que j'ai mis dans ma pantry. Puis, je vais peut-être la mettre dans la pantry ou sinon je vais m'en servir pour mettre dans la salle de lavage. J'ai pas décidé encore. Puis, mais j'ai acheté d'autres petites choses. C'est niaiseux, par exemple, parce que j'avais trouvé des full beaux bols. Je pense que je l'ai dit dans la vidéo, là, mais des genres de bols, pas des bols, des paniers de rangement souples en genre de feutre, là. Puis, pour vrai, je checkais, là, puis il y en avait comme 25. Puis, j'ai comme, OK, mais son haut, c'est quoi le prix? Je dis, ben, est-ce que je prends ça? Mais non, c'était un display. J'avais les displays dans mon sac. Fait que j'ai même pas pu les acheter non plus. Il aurait fallu que je retourne en haut, là. En tout cas, prochaine fois.
Mais j'ai acheté des choses que je peux vous montrer. Vraiment, j'ai acheté ce magnifique plateau de couleur gold. Dans mon salon, ma table à café, c'est un ottomane, un genre de gros pouf. Il est vraiment vieux, puis laid, puis je veux changer. Mais vu qu'il est comme en mou, là, en tissu, ben il faut que je mette un plateau pour déposer des verres. Puis là, j'ai une plaque en ardoise, puis elle n'est pas assez grande non plus. Fait que j'ai acheté ça. Regardez, je vais vous montrer la caméra dans le plateau. Fait que je trouve ça vraiment beau. Puis je me rappelle pas combien ça coûtait, là. Je pense que c'était genre 20$, quelque chose comme ça. Mais la chose dont je suis vraiment contente, c'est des ustensiles dans la nouvelle collection. Et c'est la collection Tilagde. Ben, c'est pas le nom de la collection, mais c'est le nom de ça. Puis c'est des couverts dorés. C'était 59$ pour 4 couverts. Fait qu'on a le couteau, on a la grande fourchette, la grande cuillère, la petite fourchette et la petite cuillère. Donc c'est assez complet. Je suis full contente. Fait que, ouais, je suis bientôt rendue à la cuisine dans la méthode KonMari. Fait que je vais pouvoir virer tous les vieux ustensiles puis repartir en neuf avec ça. C'est tellement le bordel dans mes tiroirs. Mais bon, bonne nouvelle, c'est que j'ai eu des nouvelles de mon gars qui fait de l'assemblage de meubles. Puis il va venir demain soir pour finir d'assembler la console. Puis l'îlot que j'ai avancé encore, mais que j'ai toujours pas fini. C'est ridicule, ça fait 3 semaines. Ah, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'il va venir demain soir. Fait que je vais pouvoir régler ça. Fait que je suis vraiment contente. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait une playlist avec toutes les vidéos de tout le monde pour MyFest. Si vous en avez fait puis que vous étiez là, j'aurais pu dire ça à l'envers. Si vous étiez là puis que vous n'avez fait, mettez, faites-moi une note ou quelque chose, dites-moi dans les commentaires puis je vais l'ajouter dans ma playlist. Ça va me faire super plaisir. J'ai vraiment du fun au MyFest. En tout cas, on en parle encore entre amis sur Facebook puis partout là. Puis c'est tellement cool. Là. J'ai vraiment hâte de voir où ça va aller l'année prochaine, tout ça. Je pense que ça va devenir encore plus gros. C'est sûr que les compagnies vont commencer à embarquer. Là. Moi, je prédis que l'année prochaine, il va y avoir une salle avec des exposants ou quelque chose. Il faudrait que ça soit ça parce que ça donne quelque chose à faire pour les gens qui n'ont rien à faire, on va dire. J'écoutais la vidéo de... Ouais, j'arrête pas de me taponner. J'écoutais la vidéo de Tienne à qui j'ai donné un billet. C'est un jeune créateur super comique. Il fait des choses en anglais. Il est jeune, super relatable. Je vais mettre un card vers sa chaîne en haut. Puis dans sa vidéo de MyFest, il disait la première journée qu'il est allé, il était mal à l'aise, il était tout seul, il osait pas rentrer. Oh, je trouve ça vraiment cute. Il osait pas rentrer, mais il s'est fait des amis, il est allé avec Jimmy, je pense, puis Mr. Style. Puis il a passé la journée avec eux autres, puis il est revenu le lendemain, puis là, c'était plus le fun parce qu'il s'était fait une gang. Je pense que ça serait cool si au MyFest, il faisait une espèce de liste ou de, je sais pas, une app ou quelque chose pour que les gens qui sont tout seuls puissent se faire des amis là-bas ou se mettre en petite gang. Parce que je pense qu'il y a plein de monde qui irait s'il n'était pas tout seul. Je pense que ce serait vraiment cool. Puis ça permettrait de créer encore plus de communautés. En tout cas, message à OumaiFest pour l'an prochain. Ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher. Il est minuit passé. Puis j'ai envie de dormir. De grosses journées demain. Puis il fait beau, je pense, demain. S'il fait beau, j'ai du travail à faire. Mais je vais finir tôt. Puis je vais essayer d'aller à la piscine en fin de journée. Ce serait le fun. Puis demain, je fais la popote. Puis je vais filmer ça. Fait qu'on se dit à demain. Je vous aime super fort. J'espère que vous avez passé une belle journée. Comme j'ai peut-être déjà dit. J'ai utilisé, je sais pas. Mais je prends mes bras. J'en ai gros bec. Puis on se dit à demain. Bye YouTube, c'était le fun.